Lisette, ouvre la porte. Zetoun, Zetoun, ouvre la porte. La tête de ma mère, tu rentres pas chez Zetoun, ouvre la porte, tu dis. Non, tu rentres pas. Non, tu ouvres la porte. J'ai pas peur. Mais t'as peur de quoi? Je suis ton ami. Non, t'es pas mon ami, tu rentres pas chez moi. Zetoun, ouvre la porte. Non, je t'ai dit non. Zezette, Zezette. Alors. Bah vas-y, rentre. Quand je dis je rentre, je rentre. Ouais, d'accord. Alors. Pardon. C'est pas peine de crier. Je m'appelle André Zetoun. Je m'appelle. Viens, le balai. Tu vas. T'as ressenti quoi? Ah non, l'envie de démonter. Ah ouais, sérieux? T'as pas eu peur? Non, pas du tout. Non, pas eu peur. Ah ouais? Non. T'as pas peur, toi, en fait, hein? Non. J'ai peur de mal faire. Oui. Ça s'appelle les cinéphiles, avec Laurent Germain. Ouais. On kidnappe Quentin Tarantino et je lui explique que la vraie vie, c'est un mauvais scénario. Et là, on j'emmène sur les, dans mon camping-car avec une super actrice espagnole, ouais. Avec Will Kemp aussi en anglais, ouais. Et on l'emmène... En galère. En galère. Ah, c'est charmé. Ouais. T'es super rapide pour un polo. Tu fais souvent... Et le high kick, tu le montes, Rufus. Ouais. Trappé, je t'ai dit. High kick. Il m'a high kick, le mec qui tombe sur high kick. Non mais, ouais. Tu vois, t'es super rapide. Ouais. La première fois que t'as rencontré Tyson? Las Vegas. Alors? Ah non, ça m'a fait. Ça t'a rien? Non. Ouf. La première fois que tu t'es fait arrêter? Non, arrêter par les keufs. Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une super semaine aujourd'hui, la minute Muay Thai avec. Comment je peux dire? Je reçois une légende des rings. Connue dans le monde entier, même dans les coins les plus lointains. Je reçois une personne exceptionnelle, une personne que j'aime depuis toujours, qui est toujours dans mon cœur. Je reçois une personne que tout le monde aime, parce qu'il représente, il représente quand même la France dans le monde entier. Jérôme Le Banner. Je reçois Jérôme Le Banner. Ouais. Là par ici, deux minutes, parce que les gens ne croient pas. J'entends là, il y en a qui disent mais non, c'est un mytho. T'es bien, lui. Ouais, bonjour, monsieur. T'as dit quoi, bonjour, monsieur? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Voilà. Mais il y a beaucoup de monde qui... J'ai quand même plus de 50 000 abonnés. Hein. Ah, quand même. Ouais. Tu commences à toucher des sous, non? Baruch HaShem. Je reçois Jérôme Le Banner. Jérôme, merci pour l'invite. Je sais que t'es hyper chargé en ce moment parce que t'arrêtes pas de tourner à gauche, à droite. Mais merci d'être venu. On va faire un interview la première fois avec Jérôme Le Banner. Merci Jérôme. Merci. Ous. Jérôme Le Banner. C'est qui le beau gosse, ça va, non? C'est moi. Il y a longtemps, non? Non, il y a 5 ans. Ah, quelque chose que ça change. Tu trouves que j'ai vachement changé ou pas? Non, c'est juste au niveau de l'encre que t'as le truc pour mettre les coups de genoux. Alors, mon fils, il m'a dit, ouais. Ou c'est ma petite fille, m'a dit que mes fesses, elles avaient poussé devant. Ah, c'est pas bête. Ouais, surtout vendredi. Ça va, Jérôme? Et toi? Comment tu te sens? Super bien. Ah, ça fait plaisir de te voir. Depuis le temps. On se connaît depuis tellement longtemps, on se connaît depuis fin 95, quand t'avais boxé à... je sais plus où, tu avais boxé en Hollande et tu as mis KO au premier round de kick. Voilà, c'est là que je t'ai connu. Willy Martina. Comment il s'appelait? Willy Martina. Mais tu as mis KO vite fait. En plus, c'était pas Levallois, ça? Levallois, c'était Levallois. Ouais. Et tu l'as mis KO et là. C'est Karmoski qui boxait. Ouais, et là, Pascal Iglicky, à son âme, il me dit vous allez bosser ensemble. Ah bon? Il est un peu devant lui, hein? Ouais. Ça, il nous manque, hein? Ah ouais, il m'en boucle encore. Franchement. Ouais, franchement. Pas cac. Ouais. Bon, tout va bien? Super. T'as un look de ouf, j'adore ton look. Dès que t'es arrivé là-bas, je t'ai même pas reconnu. Ah bon? Je te jure, je trouve pas qu'il a un look. Ouais, je trouve que t'as rétréci. Tu mesures combien? Un peu moins de conneries. Tu vas en mettre 90, je crois. D'ailleurs, tu faisais pas 93, toi? Non, c'est quand même. Non, ah, tu m'as menti pendant des années, en fait. Oui, tu l'as pas mis ton niveau. Jérôme, est-ce que tu veux jouer à un jeu avec moi? Oula. Non, c'est sympa. On va jouer, on va pas faire interview, t'as commencé quand la boxe, qu'est-ce que tu penses de si? Est-ce que... Interview première fois. Allez. C'est pas mal ça. Tu sais que j'ai perdu quand même pas mal de vis en route. Hein. Donc, ouais. Je me rappelle plus. Hein. Ah bon, on peut faire un interview sur les vis. Hein. Le troisième lien au Québec. Ouais. Et est-ce que ça te chauffe ça? Ah ouais, vas-y. Interview première fois. Ouais, ça va. Bon, là je suis en compagnie avec Jérôme Le Banner. Jérôme Le Banner.
bon, je sais pas pourquoi je fais ça, ça me fait rappeler le Japon. Tu te rappelles une fois, on arrivait à l'aéroport, on arrive dans l'avion. Et l'avion, on est devant pour sortir de l'avion. Et là, le mec, il ouvre, il dit stop. Et moi, qu'est-ce qu'on lui a dit, nous? I kick. C'était trop dur. Bon, en tous les cas, je suis tellement heureux de recevoir Jérôme Le Banner. Vous voyez, hein, je reçois du lourd. Voilà, Jérôme Le Banner, c'est. Et puis, on se connaît depuis tellement longtemps, même si on se voit pas beaucoup. Non, c'est vrai. On se kiffe. C'est vrai. Et vous savez pourquoi? Parce que nous, à chaque fois qu'on se voit, on rigole. C'est vrai, on se prend pas la tête. Même quand on allait combattre, on rigolait. Même quand tu allais combattre, parce que moi je regardais. Je suis l'esprit d'équipe. Oui, c'est vrai. Oui, mais moi j'avais peur. Ah non, mais ouais, pas. Non, mais... Et nous, à chaque fois on rigole, on parle de tout, on rigole, on se prend jamais de boxe. Ouais, bah, je parle jamais de boxe. Ouais. Un jour dans l'avion, on s'ennuyait, puis lui il était là, il jetait des boules de bouffe japonaise, des trucs. Et moi je regardais les gens, ils disaient, oh ça va pas. Je dis, mais c'est pas moi, c'est lui. Mais lui il se mettait au fond comme ça pour pas qu'on le voie. Enfin bref. Avec Pascal, ouais. C'est à l'époque où on pouvait se mettre tout au bout de l'avion. On fumait dans l'avion. On fumait une clope, tranquille. Ouais, c'était bon. Charmé. La merde. Comment ça va, Jérôme? Ça va très bien, Jérôme. Et là, je vois qu'en ce moment, ça bouge pas mal pour toi. Ouais, ça va. T'as projet cinéma de ouf en ce moment. Ouais. Avec Jean-Claude Van Damme. Avec Jean-Claude Van Damme. J'étais au courant, c'est marrant, je suis tombé dessus par hasard. Là, tu fais un film, et puis je sais que tu es président d'une génération qui s'appelle l'UFSC. Donc, c'est remettre en avant le kickboxing, parce que bon, là, ça. Ouais. Pour rentrer dans le détail, mais on se marre un petit peu. Donc, ouais. Moi, surtout, c'était avec Anthony Xera et Nicolas du Nord, ouais. C'était de remettre en avant les petites compétitions, tu vois, les interclubs, ouais, ouais. Pour que la racine prenne. Parce que je trouve que depuis longtemps, quelqu'un qui prenait sa licence allait boxer, se faisait éliminer toute l'année. Ouais, maintenant on fait des coupes de France. On fait ça à la FNT, nous, avec Joe. Il y a beaucoup de choses. C'est pas le même, ouais. Refaire vivre les amateurs. C'est bien, tu reviens. Parce que ça m'étonne de toi que toi tu fasses un truc comme ça, que tu viennes dans. Non, c'est pas méchant quand je dis ça. Parce que t'as pas beaucoup de temps. Ouais. Et là j'ai entendu que vous étiez pas mal de licences. Ouais, ça commence. Les prochains, je pense, en fait, il y a quand même la grosse fédération. Vous avez mis un petit peu des bâtons dans l'eau, mais c'est bien parce que c'est. Non, mais c'est bien, mais commence aussi à réagir que il n'y a pas qu'une seule compétition. Il faut. Puis toi, avec ton nom, ça va vite quand même. Hein. Bah écoute, ce qui est marrant, c'est quand tu vas dans des trifouilles des oies là, et que t'as des gens qui viennent, la famille, la grand-maman, le grand-père qui vient avec les petits enfants, et puis machin, ils font des photos, tout. C'est sympa. Non, c'est sympa. En fait, toi, tu reviens aux sources en fait, un peu en gros. Ouais, bien sûr. Ça me fait super plaisir ce que tu fais. Quand Dio Pressia m'a dit, ouais, tu sais que Jérôme est en train de monter une fédé, j'ai fait waouh. En fait, tu fais exactement ce qu'il a fait Joe. C'est ça. En fait, Anthony Xera, puis j'adore Anthony, on l'embrasse. Voilà. Hein. Ouais, je l'adore, ce mec. Ah, vraiment. Et c'est vraiment quelqu'un que j'ai eu au téléphone il y a peut-être 15 ans maintenant. Il était en dépression, ça n'allait pas bien dans sa vie. Tout. J'ai eu un dimanche après-midi. Et je passe pas trop de temps au téléphone, et ce mec-là, j'ai senti qu'il fallait que je donne du temps, de mon temps. Et écoute, je l'ai repompé, et puis maintenant, voilà. Ah, j'adore Anthony, je l'embrasse. Franchement, c'est il est vraiment dédié à la. Il s'occupe de moi aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Il s'occupe de tout le monde. Ah, bah, c'est bien. Anthony, notre mère à tous. Bon, on va faire un petit interview avec Jérôme. Vous avez vu, c'est Jérôme Le Banner en vrai, hein. Fais voir. Hein, ah, ouais, c'est lui. Ah, arrête! Non, mais tu fais des trucs bizarres quand même! Allez, ça me fait tellement plaisir! On va faire un petit interview la première fois! On va voir ça tout de suite! Allez! On va faire un interview la première fois que je mets high kick à Jérôme Le Banner! Arrête ça! Tu crois que j'ai peur? Boussa! C'est vrai. Putain, t'es vachement bien! Putain, 51 ans, enculé! Toi aussi, arrête! Ouais, on est bien, c'est vrai, bon. Allez, on est bien! Allez, arrêtez! Mais Jérôme, la première fois que t'as embrassé une fille avec la langue. Avec la langue? Ouais. Ah non, c'est important. Je sais que ça te fait. Sinon, on embrasse sa maman tous les jours. Avec la langue? Assez tard quand même. Ah ouais? Ouais, vers 14 ans. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est pas si tard que ça. Ils mettent leur kiki dans la bouboune. Dis donc! Eh, papa! Jérôme, la première fois que t'as pris une patate.
Ah, j'étais jeune. Ah ouais, j'étais jeune. Non mais sérieux, une vraie patate. Une vraie patate par mon père, déjà la première fois, parce que ouais, tu l'as fumé une fois. Ouais. J'avais une bonne patate en Ça t'a calmé ou pas? Ah ouais, j'ai fait une syncope. Ah ouais. Moi, ouais. J'ai fait une syncope. Et puis j'ai menti, non, j'ai pas fumé. Ouais. Et puis après, non, une bonne patate, c'était j'étais un peu le bully, un bully de l'école, là, tu vois. Il m'avait mis une patate dans la gueule. Oh, ça m'avait éclaté. C'était avec ça. Grâce à ce mec. Ouais. Qui était une grosse merde d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et ben ça m'a donné l'envie de me sortir de défendre, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah, c'est parce bien. Moi, ça. J'étais un peu toujours le rocher de la classe, je me mélangeais pas. Ah ouais, pourquoi ouais. Misanthrope, j'aimais pas les gens. Ah ouais, ouais. Oh, toi t'aimes pas les gens, ça m'étonne. Hein. Non, bah. Oui, à l'époque peut-être. À l'époque, ouais. Parce que t'es vachement sociable de ouf. Oui, sociable. Et en plus, les gens ils savent pas, mais t'es hyper drôle. Les gens ils pensent que. Ouais, le bal. Mais t'es hyper. Moi je te connais. Ouais. Hein. Oh, franchement, t'es drôle. Bah, vas-y, t'es drôle. Oui, c'est drôle. La première fois que t'as été drôle. Non, je déconne. La première fois que t'es rentré dans une salle d'arts martiaux, peu importe ce que c'est. Ah bah quand j'avais 6 ans, le judo. Ah ouais, carrément, ouais. Ah ouais, 6 ans. 6 ans, ouais. Comme tout le monde en marque. Hein. Ouais, comme tout le monde. T'as kiffé? Non. Bah non, au départ, non. Ouais. Moi je voulais le dimanche matin, c'était. Il y avait entraînement le dimanche matin. Ah c'est chiant. Ouais, moi je voulais regarder où les lourds sont, tout ça. Ouais, 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 tu voulais rester à la maison. Ma mère, mes parents m'ont mis là-dedans, si j'étais quelqu'un d'assez. J'étais un peu limite, qu'on dit, hyperactif. Ouais. Ouais. Alors ça c'est une question que je sais que tu vas adorer. La première fois que t'es allé au Japon. Ah je sais que t'adores cette question. Parce que c'est ton pays d'amour. Pascal Eglégué. Avec Pascal Eglégué. Ouais. J'embrasse. Ouais, moi aussi, putain. C'était en quelle année? 95 94 Ouais, de 14 non 14. Ouais, t'avais pas. J'ai plus, j'ai 10 ans, 20 ans. T'avais pas rencontré. Nobody Davy. Exactement. Thaïlandais qui avait été sorti de prison. Ouais. Parce qu'il avait mis un kick en pleine tête dans un bus. Un mec, ou une sortie de bus. Ouais. Et puis il l'avait tué, et puis putain. C'était en fait son entraîneur, c'était Diesel Noy. Ouais. Et moi je me rappelle, j'étais tout fin, parce qu'il fallait faire on m'a dit qu'il faut faire moins de 60 kilos, alors on s'est trompé parce qu'il avait mal lu le truc. Et puis il m'avait emmené là-bas, quoi, tu vois. PAP parce qu'elle parlait pas anglais du tout. Pas anglais. Ouais. Moi, je me suis. Tu parles bien. Ouais, bien. Je parle bien. Ah non, franchement, tu parles bien. Bah, c'est un peu. J'ai des génétiques. J'ai de l'ADN écossais. Ouais. Okay. Ah, Scottish. Ah. Hi. Hi. Donc, la première fois que t'es allé au Japon, t'as fait quoi? La première fois. J'ai l'impression de. Quand t'arrives au Japon la première fois, tu vois que tout est propre. Ouais. Ah oui. Tu vois que tout est aligné. Ouais. L'alimentation dans les ressorts, tout ça. Bah, les gens, non. Les voitures, tout est propre, tu sais, ouais. dans quel monde on est. J'ai l'impression d'être dans un film. Même d'être sur Mars. Mais t'adores là-bas. Ah, j'adore. Ouais, je sais, c'est ton deuxième pays d'amour. Ouais, ouais. Ah, du coup. Ouais, vraiment, je sais. T'es une star là-bas. Alors, les gens, ils se rendent pas compte, mais moi, à l'époque, quand j'étais avec Jérôme, il avait un fan club, tu te rappelles? Ouais. Mais t'avais combien d'abonnés dans le fan club? Je sais plus, des centaines. Ouais, des milliers, hein. Ouais. Tu te rappelles, il me suivait dans la rue. Je lui disais, viens, on s'arrêtait, il s'arrêtait. On avance, ils avancent, tu te rappelles? Ouais. Mais après, t'en as eu beaucoup plus. Ah, oui. Parce que moi, quand on était ensemble, après, t'es devenu une véritable star. Dès que t'as battu Ernesto, ouais, ça y est. Même Ars, tout ça. Donc la première fois que tu es au Japon, ça a été une révélation pour toi? En fait, ouais, c'est parce que je me rappelle, moi je jouais pas, j'étais un peu teubé, enfin j'avais mes convictions, et en fait je voulais pas me laisser prendre en photo. C'est un truc que tu sais, les trucs des Indiens. Moi pour moi j'étais Geronimo. Oui, oui, je me rappelle. Amérique du Nord, à fond, elle est très tôt. Ah oui, c'est vrai, Geronimo. Ouais, moi j'habitais. T'es plus Geronimo? Oui, toujours. Ouais, ouais. Mais si tu veux, j'habitais rue de Montréal, ouais. Mes potes habitaient rue du Québec. Ouais. Pour moi, c'est Geronimo, l'Indien. Ouais. Donc en fait, les Indiens ne se faisaient pas prendre photo. Ah ouais? Et moi, t'es rentré dans un délire de ouf. Un truc, ouais. Moi, j'étais Bruce Lee, ouais. Mon père c'était des brosselets, ouais. Et puis ce que j'ai j'avais dit une fois à Pascal. Ouais. Mais moi, je pense que j'étais élevé par des Français, mais je suis né en Chine. Non, mais, tu vois, j'étais vraiment dans T'as le vu comment il est drôle? Moi j'adore. Et puis, donc je veux pas me prendre photo, je me rappelle que c'était Stan Mogenis. Et puis, j'adore Stan. Ouais. C'était un Australien. Oh, je l'adore, être appelé. Ouais, j'ai regardé un petit peu, j'ai pas trouvé de ce qu'il faisait en ce moment. Je sais pas. Il est toujours en Australie et tout. Ouais, ça marche bien pour lui. Hein. Ah ouais? T'es la grosse. Ouais. Mec, c'est un des mecs les plus drôles qu'on a rencontré. Qu'est-ce qu'il me faisait rire? Et puis tu te rappelles, il était bourré, il a épicé avec Pascal Eglégué. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il me faisait rire? Mais lui où il t'éclatait ou il se faisait éclater? C'est ça, oui. Tu te rappelles? Un jour, il a boxé un mec, j'étais quand même, t'as fait un beau combat, il m'a dit, regarde, je suis marqué de partout.
C'était génial. Et donc, ouais, donc ça, et puis, voilà quoi. Donc, dans la vidéo, tu m'as fait faire la photo. La photo, et en fait, ils se sont mis, non, faut prendre les photos. Et ils m'ont fait comprendre le système de fans, comment les Japonais étaient fans. Ouais. Tu vois, et je me suis dit, moi, je m'en fous, je sais que je vais revenir. Bon, dans ma tête, je sais que j'ai un peu, ouais, je sais. T'as kiffé. Ouais. C'est bien le Japon. Hein. Mais après, j'ai pris du jet lag. Ça se voit. La dépense, elle est oubliée. Travel. Oh putain. On leur raconte notre histoire. Ouais, ouais. Alors un jour, tu vas la raconter ou je la raconte? Vas-y. Un jour, on dort dans la même chambre. On avait une chambre immense. C'était à Osaka. Osaka. On est dans New Otani Hotel. New Otani Hotel, mais il y avait les Beach Boys. Il y avait la femme de l'acteur. Comment il s'appelle? Bruce Willis. Et ouais. Il a fait bref. Et nous, on se dit bon, il est minuit, on va aller dormir. Travel. Ouais. On est fatigué. On sort bien, on se couche tout tranquille. On se couche tranquille, on ferme les rideaux, hôtel de ouf, y a pas de bruit et tout. Oh, on se réveille, oh, dis donc, oh, j'ai bien dormi moi. Il était minuit 20. Tu te rappelles? On ouvre les rideaux, il faisait nuit, moi. Il faisait nuit. On a marché pendant 3-4 heures. On a dormi 20 minutes. 20 minutes. Et après, on a marché pendant 3-4 heures dans les rues de Tokyo pour attendre le petit déjeuner. Osaka, pour attendre le petit déjeuner. On s'en est pas. On faisait du foot? Ouais, ah oui, tout, oui, oui. Et lui, tu sais ce qu'il faisait lui? On rentre dans des salles d'arts martiaux et puis il dit au Japonais, t'es un bâtard ce que t'as fait. L'entraîneur, c'est un mec, les champions de Kyokushin, il dit lui c'est champion de Muay Thai. Il me dit vas-y tourne avec lui, il te rappelle pas. Vas-y. Ça c'est la première fois. Mais là, c'est ça qui m'a aimé à l'époque, faut dire, il n'y avait pas internet. Non. Ah bah non, il n'y avait pas internet, on n'avait rien. Ouais. Mais tu te rappelles quand dans la télévision, dans la chambre d'hôtel, on pouvait regarder la télévision si on paye. Ouais, ouais, moi je me rappelle, j'ai jamais des magnétoscopes et des ouf, ah ouais. Des cassettes. Ouais, je me rappelle. Ouais, mais c'était génial. Ouais. La première fois que tu fais un combat, un vrai combat, tu te rappelles ou pas? Oui, mais c'était à Touk, à côté de Deauville. Oh, c'est magnifique, ouais, Touk. Ouais. J'adore. Ouais, le premier combat, KO premier round. C'est en quelle discipline? Full contact. Toi, tu viens du full, ouais. Mais t'as failli taekwondo, il me semble. Non, j'ai fait judo, karaté. Judo, karaté. Boxe américaine, kickboxing, enfin le full contact. Et après, je suis parti dans le K1. Bah attends, en karaté, t'as fait quel style de karaté? Karaté Shotokan. T'es monté un petit peu? Non, un peu quelques compétitions, mais c'était pas. Mais, non, mais en ceinture. Ah, ceinture, ouais, bleu, marron, je crois. Ouais, c'est pas mal quand même. Bleu, marron aussi en judo. C'est une belle école ou pas? Karaté, je te conseille, moi mais c'est pas une belle école, c'est une. Ah, le karaté, moi si c'était à refaire, ouais. J'avais un fils que j'aurais conditionné en guerrier, ça serait karaté contact. Ouais, lutte. Avec. Ah oh ouais, c'est ouais. Charmé. Karaté contact et lutte. Ouais, la lutte, c'est. Karaté contact. Moi, les lutteurs, j'adore. Ouais, ouais. C'est tous les lutteurs des pays de l'Est, là, tu sais, les. Comment on appelle ça, les gens du Daghestan, Comment on appelle ça? Les Tchétchènes. Il y en a. J'adore, ils sont belles grosses têtes, grosses. Ouais, ouais. Les mecs sont trop forts. Ouais, trop forts. Ouais. Et tu mets un coup de pied, t'attrapes et tu en fais, quoi. Oui, moi j'en fais ouais. Avec Clément Sushinaga, ouais, qui a 70 ans, ouais. qui a une énergie débordante, tu vois. Ouais, et là, il apprend, parce que j'ai une petite combattante, là, que je connais depuis l'âge de 13 ans, ouais. que j'essaie de monter, et puis elle m'a mis... Tu donnes des cours? Non, elle m'a mis sa vie entre les mains. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est mignon. C'est beau. La première fois donc tu combats, tu fais un KO premier round sur. Ouais. High kick. Uppercut. Ouais, parce que toi t'aimes bien les kicks. Uppercut du gauche. High kick. Ouais, et ça c'est la première fois. Après j'ai perdu. Après t'as perdu? Ouais. Ouais, mais c'était la deuxième fois. Ouais, je faisais des Owara Mamoshi. Ouais, oui, c'est pas tu t'es jeune. Ouais, ouais. T'as quel âge? J'avais 18-20 ans. Hein. Oui, bon, c'est pas grave. En fait, parce que. En fait, je mets les coups de pied et tout, en fait, je prends une droite. Parce que nous, en fait, j'ai beaucoup de style karaté. Ouais, vous aussi un peu. Ouais, c'est ça, beaucoup de coups de pied, tu vois. Et en fait, je fais. Oh, bon, je te prends la droite en pleine gueule. T'es tombé? Ouais, je suis relevé. Mais t'es en quel poids? Pareil, je fais moins de 95 kilos. Ah ouais, mais ça colle. Je faisais des régimes draconiens. Ouais, mais ça colle de ouf, déjà. Ouais, monsieur Dufour, il s'appelait. Ah ouais. Tu vois, oh merde, Barentin. Et c'est juste. Lui pourra dire qu'il t'a démonté. Ah, oui, oui, oui. La première fois que t'as mis un KO, pas nécessairement en compétition, première fois que t'as touché un mec, boum, il est tombé. Tu t'en rappelles? À l'entraînement. Ouais, bien sûr, c'est. Ouais, l'entraînement. Et t'as été surpris ou pas? Non. Non, non. Bah non. Surtout, tout le monde dit que j'ai une force de frappe. Ah, ouais. Surtout là. Ouais, ouais. Bah, là aussi. Ouais, je suis droitier en fait, tu vois. Ouais, mais là, je sais pas pourquoi ta gauche, elle fait trop mal. Ouais. Non, sérieux. Ouais. Donc la première fois, c'était à l'entraînement, t'avais quel âge? J'avais 16 ans. J'ai eu un KO au karaté d'ailleurs, avec qui en pleine tête, au-dessus du crâne.
Hey, toi, t'aimes bien les kids. La première fois que t'as appris que t'allais être papa. Bah, c'est la première et unique fois. Donc, c'était avec. Ouais, c'est ma fille Victoria. Hein. Victoria. Ouais. Donc la première fois que t'as appris que t'allais être père, ça t'a fait quoi? Ah, bah, au départ, non, la vérité. Ouais. Ah, le 16 ans, ma fille, donc il n'y a pas de problème. Non, j'étais très. Je me voyais pas être père. Ah, ouais. J'étais trop jeune. Ouais. T'as dit quel âge? J'avais 22. Comme moi? Ouais. Mais moi, c'était pas. J'aimais beaucoup la maman, tout ça. Ouais. C'est comme ma soeur, ça. Ouais. Faïza, c'est ouais. C'est comme ça. Ah oui, Faïza, je me rappelle, bien sûr. D'ailleurs, elle est chez moi en ce moment, je l'embrasse. Ouais. Et donc, on s'occupe l'un de l'autre, tu vois. Comme de vieux. Faïza, qu'on l'embrasse. Ouais, et donc, elle, quand elle m'a appris ça, donc, elle voulait le garder. Moi, je voulais pas. Je faisais beaucoup d'aller-retour avec les États-Unis, parce que j'entraînais avec Don King et Jean-Joseph Courage. Et puis, donc, je voulais pas. J'étais trop jeune, puis je voulais pas de papa. Par contre, quand le jour de la naissance, je l'ai eu dans les bras. Ah, t'as kiffé. Ouais. Ah, tu kiffes? Ouais. Victoria, c'est magnifique comme prénom. Toi. Ouais. Ah, j'adore. La première fois qu'on t'a dit, est-ce que tu veux faire du cinéma? Parce que moi, je t'ai vu dans un film. Alors, je t'ai vu dans plein de films, hein, mais dans un film, t'es exceptionnel, dans Astérix. Ah. Je trouve que là, t'es hyper drôle. Ouais. Non, mais franchement, en plus, ça casse l'image de toi qui est comme ça. Parce qu'on t'a vu dans plein de films où tu fais de la bagarre, où t'es énervé, tout ça. T'as même joué dans. Attends, comment ça pleure d'ailleurs, il y a un téléfilm que j'ai fait il y a pas longtemps. Ah ouais? Qui est passé sur France 3, où est-ce qu'on va l'apprendre à la mort d'un enfant que je kiffe beaucoup. Ouais. Et que. Tu pleures vraiment? Ouais. Mais là, franchement, dans Astérix et Obélix, je te trouve. Mais c'est trop hyper drôle, j'adore! Donc, mais t'as l'air de l'autre. Bah, c'est Thomas Langman. Hein? Thomas Langman. La première fois, il est venu te voir, il t'a dit quoi? Ouais, il m'a dit, écoute, je vois que là, je suis Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, je voudrais t'avoir dans le casting. Waouh! Je dis, non, moi, je suis pas le. Ah bon? Je suis pas les ombres. Je suis pas le stunt, enfin, les extras, non, ouais. Les figurants. Ouais. Ah, non, c'est un vrai rôle. En plus, Alain Delon, hein? Oui, Alain Delon. Ouais, quand même. Ouais, Depardieu, Gérard. Il y a le Jaguar. Ouais. Et donc, merde, j'ai dit non, Bon, puis j'ai lu, puis j'ai fait les essais, puis ça a plu Derzo, tu vois. Ouais. Je me rappelle, je suis en train de former l'AC, tu vois. Hein, j'ai la coupe toute blonde. J'ai dit, oh, on arrête, j'arrête le cinéma, et je fonde une famille. Tu vois, c'est gros Depardieu qui était là, avec Louis qui était à côté. Ouais. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Ah ouais, t'as pas aimé? Ah oui, non, mais au départ... Mais je trouve que t'as le look d'un acteur, moi, je trouve que t'as... J'ai toujours trouvé que t'avais le look Après, c'est moi. Hein. Mais bah, si, parce que t'as un truc, vraiment, tu dégages... Je sais pas, je te... Bah, c'est la preuve, t'as fait quand même pas mal de Ouais. Ah si, t'en tournes pas mal. Ouais, hein. Là, je vais en faire aussi, mais ça s'appelle Les Cinéphiles, avec Laurent Germain. Ouais. On kidnappe Quentin Tarantino. On l'a jamais en vrai il va jouer un peu dedans. Oh putain. Et je lui explique que la vraie vie, c'est un mauvais scénario. Et là, on l'emmène dans un camping-car avec une superbe actrice espagnole, avec Paul Kemp aussi en anglais. Ouais. Et on l'emmène... En galère. En galère. Ah, c'est charmé. Ouais. On lui fait revue. Ça, c'est ce qui va. Là, c'est ce qui va arriver au mois d'avril. Et là, mais là, en ce moment, tu tournes quoi? Le jardinier, là, en ce moment. Avec Jean-Claude Van Damme. Avec Jean-Claude Van Damme, ou à Bruxelles? À Bruxelles, on part. Oh, dis donc, t'es en demeure. Tu vas en Belgique une fois, dis donc. Oui, parle anglais, non? Ouais. Mais t'es content? Ouais, je connais très bien. Donc, ouais, il y a Michael Young, il y a Ragnar le Breton, Caris. Ah, il y a Michael Young dedans? Ouais. Et il y a qui, Caris? Caris. Caris, c'est un rappeur. Ah, je connais pas, je suis désolé. Il veut se battre avec Booba. Ah, mais tout le monde veut se battre avec Booba, je crois. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je connais pas Tu connais Booba ou pas, toi? D'où toi, non? Non, moi non plus. Non. Moi, j'ai un Booba ici, mais c'est Booba Caris, un de mes élèves. Non, mais ça n'a rien à voir. Ouais. C'est le mec, tu le connais, hein. C'est le mec le plus gentil de la Terre. Ouais. Ah, oh, bah, je crois qu'ils sont gentils, en fait. Bah oui. Ils se donnent un genre. Oui, ils se donnent un genre. Bah, il faut ramasser un peu de veille. Bah ouais. Donc, ça, c'est la première fois, donc t'as pas trop kiffé le cinéma la première fois? Non, c'est tu me demandes la première fois. Oui, la première fois que. Je me sentais pas à ma place. Ouais. Tu vois? Ouais, t'étais gêné un peu. Bah oui, tu sais, devant une caméra, tu sais, tu peux travailler super bien là, on est là. Ouais. Avec un moteur, action. Ouais, pas toi. Bah, au départ. Non, c'est vrai que je suis senti bien. Non, mais toi, moi, j'ai besoin de prendre l'énergie du plateau. Ouais, l'espace. Voilà, l'espace, et let's go. À limite, moi, quand j'ai des castings, je suis pas bon. Ah ouais. Ouais, je suis pas bon, parce que... Faut qu'il y ait du monde. Ouais, faut qu'il y ait un peu le... Tu vois? Ouais. Là, le mec, bon... Bah, c'est comme le ring, un peu, hein. C'est ça.
Entraînement. La première fois que t'es monté sur un ring, on s'en fout quelle discipline. Ouais. La première fois que t'as fait comme ça avec les cordes, ou comme ça. Ouais. Qu'est-ce que oui, parce qu'il y en a qui le font. Il y en a qui tombent. Hein. Ouais. C'est trop drôle ça. T'en as déjà vu ou pas? Oui. Et après le mec se relève, il fait arrête, c'est pas moi, arrête. En plus les cordes elles sont là. J'ai pas des fois, il y a les cordes elles sont là. Les enfin bref, la première fois que t'as enjambé un ring, ça t'a fait quoi? On y est. Ah ouais, ça y est. Ouais, on y est. T'as ressenti quoi? Ah non, l'envie de démonter. Ah ouais, sérieux? Ouais. T'as pas eu peur? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah ouais? Non. T'as pas peur, toi, en fait? Hein? Non. J'ai peur de mal faire. Oui, c'est vrai. Le mec en face de moi, non. Ah ouais? Non. Bon, après, t'es tellement sérieux en entraînement aussi, ouais. C'est que tu donnes beaucoup. Ouais. Parce que les gens, ils se rendent pas compte, mais. Ils courent et tout, faut y aller, hein, les entraînements. C'est vrai qu'avec toi, c'était, je trouve que c'était le plus dur. Ah ouais, quoi? C'était dur. Ouais. En plus, je gueulais, je putain, tu veux nous faire boxer comme un léger, merde, je suis un peu lourd, moi. Bah, tu sais, t'es que des légers dans la salle. Allez, 100 000 jambes à rien. Je me rappelle. 10 Je me rappelle, il boxe. Beaucoup plus. Hein. Curtis Schuster. Oh là, putain. Et. C'est tout sec. Il est descendu à 109, 111 kilos. Ouais, 111, je crois, non, 109. Non, mais dans. Non, mais 109, 107 kilos. 107 kilos. Et je me rappelle la carrière, il vient voir, il me fait. C'est un polonais. C'est Jérôme Le Banner, il a changé, hein. On m'a dit, ouais, il faut qu'il descende. Bon, c'est vrai que moi, je te faisais. D'ailleurs. Je suis. Ouais, mais t'as kiffé, quoi. Non, mais c'était dur. C'est dur. Pour les polos, après. Ouais. Toi, t'avais ta logique. Ouais. Muay Thai, Box Thai, le Japon, Matsuwara ou. Ouais, Fujiwara. Fujiwara, machin. Pas Matsuwara. Batsushi. Et donc, tu dis putain, merde, hein, mais t'as kiffé, quand même. Ah, j'ai kiffé, non, l'ambiance était bonne. Ouais. Mais tu vois des gens. Bien sûr, il y a plein, je revois. J'ai même des élèves, ils ont continué toujours. Hein. Il y a même leurs enfants, ils. Ouais, bien sûr. Mais tu te rappelles, on faisait des petits sauts, t'aimais pas les petits sauts. On faisait plein de trucs. Ah, les trucs pour les. Oui, parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, t'es tellement rapide. Ouais. Que tu dois boxer comme un léger. Ouais. Mais c'est vrai que t'es rapide. Oui, c'est vrai. T'es super rapide pour un poids lourd. Tu fais souvent. Pam, pam, pam. Et le high kick, tu le montes. Rufus. Ouais. Je te dis. High kick. Il m'a high kick. Le mec qui tombe sur high kick. Non, mais tu vois, t'es super rapide. Donc moi, je me suis dit, s'il est rapide, il faut qu'il. Pour boxer comme un rapide, il faut qu'il fasse des trucs rapides. Mmh. Bon, après, c'est vrai. J'ai ma logique. Bon, oui, c'est bien. Hey, t'as été champion du monde. Super, mais nickel. On a passé de bons moments. Mais nous, on se rappelle. C'était dur. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh, j'ai redoublé, là. Ah ouais, non, j'ai l'air plus long, putain. Ah ouais. Et je venais voir chez toi. Ouais, aussi. Je dormais avec toi. Tu te rappelles? Non, mais tout seul aussi le week-end, des fois. Je dormais chez toi et tout. C'était sympa. Avec, quand j'ai envie, au général, ça arrive. Ouais, je me rappelle. Et puis le matin, on se prenait notre petit déjeuner, la musique, comme dans les films, tu te rappelles? Franchement, c'était une belle époque. Oui, c'était une belle époque. Après, on se promenait dans le Havre. Ouais. T'avais un pote qui tenait un bar face à la mer. Ouais. Super gentil. Ouais. Non, on kiffait comme. Ouais, c'est ça. Ah. On kiffait de ouf. Et il est malade dans son bar. Ah ouais? Ouais. Et là, il pue. Ouais. Mais tu te rappelles comment on kiffait? Ouais. Et non, c'était une belle époque. C'est les Dupré, Jean-Pierre. Ouais. Le karaté. Avec Christophe. Avec Christophe souvent. Et puis Yoann qui a fait de la boxe avec moi. Ouais. Longtemps en plus. Les Dupré. Ouais, ils sont super gentils, vraiment. Et Karine aussi. La première fois que tu boxes pour un titre. Reynald Fuchot, un mec du club à Valera. T'as boxé Reynald Fuchot, toi? Ouais. Mais c'était pas ton prof? Non, c'est René Pelé, mon prof. Ouais, René Pelé. Reynald Fuchot, t'as boxé? Fuchot, ouais. En full contact, ça? Full contact, ouais. Mais t'es fort, lui. Ouais, t'es fort. T'as fait quoi? Au point. T'as gagné au point et t'as été champion de? France. Ah, pas mal! En milou ou en lourd? En lourd, Reynald Fuchot, il connaît lui! Il connaît, hein! Et t'as gagné ou quoi? Ouais, il était plus âgé que toi en plus, lui! Plus âgé que moi, ouais! Et puis, bon, je suis un peu plus rapide, donc ouais! Non, t'es très rapide pour ton poids, même encore aujourd'hui! Ouais! Donc, t'es champion de France, t'as quel âge? 19 ans! Putain, c'est pas mal, 19 ans champion de France! En plus, le full contact, à l'époque, c'était balèze! Ouais! Non, c'est vrai! D'ailleurs, je suis peut-être là. La remettre en avant, c'est la génération. Tu devrais. Un nouveau tatami. Enfin, tu sais pourquoi tu devrais? Parce que je vais te raconter une toute petite anecdote, si tu permets. En ce moment, je suis en train de me mater les Bill Wallace, les Johnny Lewis. Mais c'est une tuerie, les mecs, comment ils boxent. Ouais. Mais les mecs, tu veux que je te dise, ils ont une anglaise, ça va. Ouais. Non, c'est magnifique. On boxe plus comme ça.
Non mais tu franchement, si t'as l'occasion. Je vais faire ça. Ah mais bon, franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Quand on dit pourquoi pas faire ça, puis avoir un nouveau, enfin un nouveau rien, quelque chose qui fasse. Tu te rappelles, c'était Dabi, déjà. Dominique Valera, je parlais avec lui, il m'a dit je suis devenu champion d'Europe contre un Yougoslave. Ouais. Aux États-Unis, je crois. Non, à Zagreb, sur un tapis. Hein. Ouais. Il a mis KO. Et moi, ouais. Toi, t'avais déjà boxé sur des tapis En light contact. Ouais, ah oui, en light. Je me rappelle parce que j'ai à peine 15 jours, je m'étais inscrit dans une salle de kickboxing avec, je me rappelle, avec Sami Soltani. Sami Soltani et Philippe Vasse étaient mes entraîneurs. Et puis je m'étais inscrit dans un truc à la con, c'est avec Daniel Renaisson à l'époque. Ouais, et c'était, c'était à la Carpentier. Ouais. Ouais, ouais, j'étais là. Mais tu tapes, toi, t'as réussi Bah non, je fais ce que parce que j'étais parti tout seul, tu sais. Tu changes de style devant tout le monde. Ouais. T'avais quoi? T'avais 19 piges? 19 piges, ouais. Ouais. Je les ai inscrits tout seul. La première fois que tu m'as rencontré, tu t'es dit quoi? Alors c'était où? C'était pendant le combat, je pense. Ouais, c'est le combat. Pour investir. Ouais, t'avais, en 95. Ouais. Ouais, c'est, attends, 95, ça fait quoi? Imagine-toi, là, t'as 60 ou 50 ans? Non, ouais, 59. Ouais. Tu vois pas l'énergie que t'as déjà? Ouais. Imagine-toi, 30 ans en arrière, 20 ans en arrière. J'étais un ouf. Oh, tu es un ouf. Mais toi aussi, hein? Non, mais oui, on était deux. Je pense que je suis plus âgé que toi. Plus assagi que toi. Ouais. Et non, t'étais un fou. Je me rappelle, il y avait des jeunes qui boxaient. Ouais. Moi, je me rappelle, c'était votre shop Bordeaux. Et Et puis je m'appelle André Zetoun. Je m'appelle André Zetoun. J'ai une fille qui s'appelle Leslie. Aussi. Ah oui, tu vois, c'est marrant. Mais t'as kiffé? Ouais, mais je me suis dit, mais c'est quoi, c'est ouf. Moi, la première fois que j'ai. Même Jeannot, il était déjà arrivé. C'est le. Non, mais c'est une équipe de ouf. Pareil, c'est le poète boxeur réapparu. La première fois que je l'ai vu, c'est 95, grâce à l'intermédiaire de Pascal Eglicky. Ouais. Et je me suis dit, ça va être mon pote. J'ai dit, on va être pote. Ouais. Parce que, bon, on est rigolo, quoi. Ouais, ouais. On est des déconneurs, franchement. Hein. Je me suis dit, lui, ça va être mon pote. Moi, t'étais déjà un peu mini-star, déjà, dans la boxe. Un petit peu déjà. Moi, t'avais fait le. Première fois que tu ramasses un titre de champion d'Europe. Cotebec les Elbeuf. Encore des noms. Ouais, c'est des noms. Cotebec les Elbeuf. C'est où? À côté de Rouen. Ah ouais, c'est à côté d'Elbeuf. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, tu boxes qui? Je boxe un Anglais. Ouais, ils sont forts. Oui, merci. En full toujours. En full contact. Cœur en pleine tête. Premier round. Sur high kick. Ouais, sa spécialité. Là, jambe gauche, jambe droite. Jambe gauche. Il a une jambe avant, putain. Oh là là, j'aurais dû te faire travailler que le high kick, j'aurais dû faire que ça dans ma vie. Ouais. T'aurais mis des KO partout. Ouais. Tu sais que. Il faut regarder le KO qu'il met contre Rufus sur le high kick, il est magnifique. Ouais. Ah, il est beau. Il est beau. Puis, sans appel, hein. Ouais. T'es comme on était content, enfin bref. J'ai vu des vidéos que je faisais quand je faisais du full contact là. Oh, t'as des vidéos. Des Ramaoshi, des courts. T'étais fort hein, quand même. Retourner les coups de puissance et tout. Donc ça te manque un peu le full quand même. Ah ouais, moi c'est une belle école. Et ouais. Ce que tu me dis, là, moi aussi je suis retombé sur des Bill Wallace. Oh, j'adore ça. Jolie Louis Bill Wallace, Jeff Smith, Ben Urquidez, John Moncayo. Ouais, tu sais, des trucs quand ils sont là. John Moncayo. Ça me dit rien, c'est celui qui a mis Valera KO. Mais Ben Urquidez, et puis le black là, il y a un black, Jackson. Oui. On l'appelait le Bruce Lee Black. Oui. Les KO, il te faisait papa. Vraiment, moi, je suis pas hyper. Tu vois pas ça? Ah, mais moi, j'adore. Je suis fan. J'ai retrouvé comment ils pouvaient avoir une élasticité comme ça au niveau des jambes, mais ils faisaient que ça. En plus, les mecs, ils avaient 30 piges. Ouais, ils avaient 18 piges. Et puis, même les points, j'aimais bien. Ah, ils ont une anglaise magnifique. Ouais. Mais alors, par contre, Bill Wallace, pour moi. Ah, ouais. Ah, alors là, c'est. La jambe. Tu l'as déjà rencontré? Non. Ah, ouais. Non. J'ai rencontré Jean-Yves Thériault, moi. Voilà. Bien, la première fois que t'as rencontré Tyson? Las Vegas. Alors? Ah non, ça m'a fait. Ça t'a rien? Non. Grand ouf. Parce que t'as vu quand même. Oui, bah. Tu dégages quelque chose ou pas? Bah, il était mon nom tout ouais, tout. Ouais. On l'a vu comme ça, on s'en est marre. Ce moment où on devait se rencontrer. Ouais. Et puis. Oui, au K-1. Au K-1. Au Japon, bah, il pouvait pas, c'était bien. Hein? T'as arrivé? Ah ouais, carrément. Bah oui. Oh, un honneur. Carrément. Bon, maintenant on me dit ouais, peut-être qu'il y a un bon. Non, c'est ça. Que ça s'est pas fait parce qu'il avait un casier judiciaire, et aux États-Unis donc il pouvait pas boxer. Ah oui, c'est vrai. Et au Japon, il pouvait pas rentrer. Au Japon, t'as un casier, il te laisse pas. Ah, il rigole pas avec ça. La justice, la voix, je sais. Je sais, hein. Tu te rappelles quand ils nous ont arrêtés à l'aéroport à un moment? Ouais. Je dis, ouais, mais moi je comprends. Lui, il parle un peu japonais. Moi, j'ai arrêté. Bah là, j'ai une amie qui s'est arrêtée au Japon en mois d'août, que j'ai combattu. Ouais. À cause d'une poubelle.
une poule m'a mise une fois, deux fois, trois fois, et puis c'était chaud. Hein. Elle était 15 jours en garde à vue, mais pas la garde à vue française. Hein. Ouais. Là, je peux dire que même maman. Ouais, mais là, c'est... Il rigole pas. Ah, il rigole pas, non, non, c'est... Mais nous, on a pas une galère une fois là-bas. On était rentré dans un temple, on avait fait du rap. Ouais. Ouais, mais c'est... C'est encore ça, encore. Attends, ouais. J'avais fait des. Oui, oui, les trois tout. Ouais, ils n'avaient pas trop aimé. Hein. Quand la police vient te chercher, ah ouais. Et que revient te chercher le matin, et que pendant une semaine, t'as pas le droit de voir ton ami parce que. Ah ouais. Prison, et qu'en Pessigas, faut avoir un avocat. Et ah tout ouais, ils rigolent pas. Ah ouais, non. Ah, les Japonais rigolent pas. Non, non. Puis en plus, en fait, quand elle a voulu reprendre, parce qu'ils avaient pris les photos, les filles, elle a voulu reprendre les photos, une claque qui est partie, mais une claque, une bichenette, tu vois. D'abord, ils font pas la différence. De toute façon, ils font pas la différence entre un gramme de merde et puis 25 kilos. Ils font pas la différence entre une petite pichenette et qu'on ouais, eux, rigolent pas. Avec la violence, c'est la violence contre un ressortissant japonais. Et là, donc, elle aurait pu prendre même 3 mois. Tu sais, là-bas, il n'y a pas de jour de nuit. Elle est dans une pièce, la lumière toute la journée, toute la nuit. Tantosan. C'est quoi Tantosan? Tantosan, c'est quand les dames qui s'occupent de la prison, c'est les ouais. Gardiennes, tu vois. Ouais. Et t'as pas le droit de la regarder dans les yeux. Ah, ouais, ah c'est pas, une souffrance psychologique ouais. énorme. Ah, c'est pour ça que ça bouge pas trop là-bas. Ouais, moi, j'ai tout fait pour la sortir. Et t'as réussi ou pas? Ah, j'ai réussi. Mais c'est en pour les 3 mois. Mais t'adores le Japon. Et ben là-bas, j'ai vu, tu vois. Tu sais pourquoi ils t'adorent aussi? Pas simplement parce que t'es une légende de la boxe. Parce que t'es une légende de la boxe. Moi, je te le dis, hein, Jérôme, arrête. Moi, tu sais très bien. Moi, on se dit toujours les choses tous les deux. D'accord. Même au téléphone, on se dit des trucs de ouf. Ouais. Moi, pour moi, t'es une légende de la boxe. Tu sais pourquoi? C'est parce que quand il y a eu le tsunami. Ah. Ce que t'as fait au Japon, ça les a marqués de ouf. Moi, tu sais, je t'ai vu en grand au Japon avec des photos énormes là-bas. Je suis parti après là-bas. Ah, moi. Ouais. Et les gens, ils m'ont dit, je disais, moi, Jérôme Le Banner, je le connais. Non. Ouais, ce que j'ai fait pendant le. Ouais. quand je suis parti là-bas, ouais. Quand il y a le truc. Ils ont adoré. Parce que je leur dis, écoutez, vous m'avez fait. Donc demain, si je dois mourir, je préfère mourir ici. Ah, j'adore. Et donc, tu sais que quand on dit Édouard Philippe, qui est maire du Havre, ouais, ah oui. Et donc il a invité il y a un an ou deux un représentant de l'ambassade japonaise. Donc tout le monde s'assoit, Édouard Philippe, machin, blablabla, commence à dire qui, comment. Édouard Philippe, l'ancien premier ministre, quand même, hein. Ouais. Prochain président. Ouais, prochain président, on est d'accord. Qui a fait de la boxe avec moi aussi. Ouais, bien sûr. Et donc, l'ambassadeur japonais se lève, il dit au nom du Sommerane, monsieur Le Banner, au nom du peuple japonais, je tenais à vous remercier parce que vous avez fait pendant le tsunami. Fukushima. Ça. Parce que ce qu'il a fait, ce que tu as fait au Japon. Bah, j'allais dans les villes et puis on essayait de récolter de l'argent. Tu vois. C'est magnifique, ouais. Franchement, c'est hyper beau. De fou, Ah, moi quand j'étais là-bas, j'avais vu des. Je sais pas, une photo en noir et blanc de toi, mais immense. Avec Inoki, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai adoré. Tu sais que là, je pars au Japon au mois de juillet, j'ai Fujiwara. J'emmène ma fille. Ouais, je pars 2 semaines là-bas. Ouais, je suis à Tokyo. Ouais, Tokyo. Tu seras là-bas peut-être? Écoute, j'y vais au mois de mai normalement. Moi, j'y vais. Moi, je pars le 26 juillet. Ok. Why not? Imagine t'es là-bas. Ah, top. 15 jours. Ah, je pars 15 jours. Mais imagine t'es là-bas, on fait comme on a fait au Japon. On se met devant les sorties de métro, on prend les papiers, on distribue les papiers aux autres. On faisait ça. Les mouchoirs. Ouais, les mouchoirs, ça rendait ouf. Et dans les centres commerciaux. Oh, ils me rendaient ouf. Tu me rendais ouf. Regarde le t-shirt là-bas. Oh, tiens, prends ça. Regarde, baisse. Ouvre le sac, mets dedans. Je ferai plus. Bah non, il y a plein de trucs. Parce que j'ai vu ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que là-bas, même moi, ils m'ont arrêté, parce que c'était à peu près dans le truc, ils m'ont dit, Jean-Louis, c'est un sac. Non, c'est pas le sac, monsieur Le Banner. Mais en plus, ici, dans le hôtel de police, vous n'êtes rien. Ouais. Ah ouais. Ah non, au Japon, Banasan, machin. Ouais. Mais ici, Banasan de l'hôtel. Banasan. Vous n'êtes rien. Ouais. Si vous n'êtes pas content, retournez dans votre pays où on est Ils s'en foutent. Ouais, dis-nous, parce que si dans votre pays, là, où est-ce que c'est, où est-ce qu'on brûle les écoles, les mairies, on décapite des gens. Ouais. Nous, chez nous, il n'y a même pas une poubelle de brûler. Il n'y a même pas une boîte aux lettres. Sinon, vous tuez à balles réelles. À balles réelles. La première fois que tu t'es fait arrêter, tu te rappelles? Arrêté par les keufs. Tu vas peut-être, moi je vais vous arrêter quand... dans ma cité, mais pas. Bah, on parlait de Lydia Rodriguez, tu sais, qui s'appelle maintenant Lydia Dollar, mon amie de l'époque. Oui, ta chère, je connais bien, j'embrasse d'ailleurs. Elle est au Luxembourg. Et donc, elle s'était fait violenter, parce qu'en fait, il y avait mon sac de sport chez moi. Ouais. Le mec était rentré dans la. Mais t'habitais au rez-de-chaussée? Non, au deuxième étage. On a t'habité au deuxième. Il voulait prendre le sac, elle s'est interposée, puis il a mis une claque dans la gueule. Donc, j'ai pris 6 mois de sursis. Mais tu l'as pété? J'ai pété. Ah. J'ai remis le bras, j'ai retrouvé. Ah ouais? J'ai pété juste devant le commissariat.
Ah ouais, devant le commissariat, comme en ça. En fait, j'ai enlevé, le mec était en son, j'ai enlevé, des coups de pause. Ah ouais, t'es un ouf. Ouais. T'étais, à cette époque-là, t'étais, tu te rappelles? Et les gens, le mec qui voulait pas me laisser rentrer dans la boîte, mais j'étais en basket, tu m'as dit, pousse-toi, mon sensei, mon bébé, pousse-toi, je m'en charge. Je dis non, c'est pas grave, pousse-toi, je t'ai dit. Ah pardon. Ça, c'est la première fois, donc t'avais quoi? T'avais 19 ans, là? Ouais, 20 ans, ouais. La première fois que tu boxes au Japon pour le K-1 Grand Prix. Ah, c'était quoi? Bon, il y avait une Nokia Devi, après j'ai fait un autre combat, une sélection, et puis après, oui, j'avais le combat contre donc, Masaki s'attaquait. Bernardo. S'attaquer. Là où t'embrasses Bernardo sur la bouche. Sur la bouche. C'est que ça a cartonné ça. Tu l'as fait comme ça. Ouais. Et les gens, ils ont fait. Oh parce qu'on s'était déjà rencontrés. Ouais, mais en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, j'ai fait 12 rondes avec lui. 10 rondes. Et t'avais gagné ou quoi? Ouais. Dans un stade en plus. Dans un stade, j'ai pris mon joueur comme ça. Ouais, parce que lui, cogne. Qu'est-ce qu'il peut. Oh, le pauvre, il est décédé. Ouais. Après, c'est. Il s'est c'est bizarre. La coque. Ah, tu crois? Ouais, puis il était dépressif. Très dépressif, tu te rappelles? Mais quel boxeur! Oui, en Dieu, machin, tout ça. Oui. Après, il avait tourné, tu te rappelles? Ouais, il avait tourné d'eau. Il était en Croatie, machin, ils ont fait... je pense qu'ils ont fait croire plein de choses. Ouais, il a fait des trucs bizarres, je m'en rappelle. Ouais. Et donc, il y avait lui, et après, Peter Hans. Ah. Et Peter Hans, que je me rappelle, je n'ai pas boxé avec la Rane. J'étais déjà. Avec moi, là? Quand il te met le pouce dans l'œil. Ah non, c'est autre chose, c'est une autre fois, ça. Non, là, j'étais avec Robert Hitt, je crois. Ouais, Robert Hitt. Ouais. C'est impressionnant le K-1. Bah oui, surtout quand t'as vu ta tête. Tu te rappelles, tu m'avais dit, moi je m'en rappellerai toute ma vie, il m'a dit. Tu vois, là tu viens avec moi, on va boxer au. C'était à Osaka. Ouais. Tu m'avais dit, tu vas voir, il y a 70 000 spectateurs et ce combat je te le dédie. Et là tu boxes Takeru. Takeru, ouais. Et tu le démontes. Ouais. Il est mort, il y a mort. Ouais. Mort de quoi? Bah je sais pas. Mais il est jeune. Ouais, jeune, t'es jeune. Mais tu l'as même mis KO. Ouais, pour et tu m'avais dit, je te dédie ce combat. Et moi, j'étais là. Et là, j'entends, Jérôme le banner. Et là, on sort. Ouais. Et là, je vois 62 000. C'était au 1 70 000. 70 000, c'est dans un stade de baseball. Et là, je fais, ah ouais, t'es tout petit. Hein. Ah, franchement. Tu m'as dit, tu vas. C'est tout petit, mais en même temps, c'est très cérémonial. Tu vois. Ouais, mais je me sentais tout petit. Moi, je me suis dit, waouh. C'est très grand, je vois, les cérémoniales, c'était là. Putain, c'était magnifique. Pour une c'était magnifique. Et après, il se lâche. Ouais, t'as vu, dès que tu fais ça, c'était magnifique. Oh, franchement, c'est belles années. Hein. Ouais. Franchement, les belles. Moi, je suis. Merci de m'avoir fait découvrir ça parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Ouais. J'ai adoré. Une fois, on a fait Takeru, ouais. On a fait. Oust, c'était avec moi. Hein, ouais, Oust. Et attends, on a fait, comment il s'appelle Rufus. Rufus, ouais. Attends, on a fait Peter Hart. Ouais. Bah bien sûr, on a fait. Je suis parti. Oui, j'en voulais plus. Là, il y a des moments où je voulais plus. Non, mais t'étais en galère là. Ouais, j'en voulais. Tu te rappelles de galère de quoi? Ouais, galère sentimentale et tout. Il y avait des. Je suis très, très fort bleu. Enfin, ça m'a tout touché. Toi, t'es hyper sensible. Hyper sensible. Tu l'es toujours ou pas? Ouais. Toujours. Ouais. On dit en anglais hyper efficiency. Mais c'est un bon point. Pourquoi tu le dis en anglais? Parce que hyper sensible, je trouve que ça fait un peu comme t'es des gentils. Ah, il est gentil, mais gentil, on sait que c'est pas. Non, toi, t'es hyper sensible. Ouais, mais t'es hyper sensible, c'est un peu péjoratif, ça. Ouais, ouais. Ah, oui, il est gentil. Donc, tu préfères en anglais? Hyper efficiency. Oui, super efficace? Non, c'est vrai que j'ai. Ouais. Ouais. T'es hyper. Je me rappelle, on est parti au Japon, mais t'étais pas dedans. Non. Mais pas du tout. Non. Alors, des fois, ça pouvait être. Et en plus, on restait pas beaucoup ensemble. Ouais. Tu me laissais avec. Avec Branko Sikatic, le pauvre qui est mort, et puis avec Tom Harry, qui était tout le temps avec un homme. Tu te rappelles dans l'ascenseur quand on est resté bloqué? Ouais. T'es avec moi ou pas dans l'ascenseur? Non. Ah non, on va raconter une petite anecdote. Tu te rappelles quand tu m'as dit, quand il y avait le champion du sumo dans l'hôtel? Oh ouais. Et tu m'as dit, j'ai dit, oh, il faut que je fasse une photo. Tu m'as dit, mais il faut que tu lui dises, Okama, Okama. Tu te rappelles? Ouais. Et moi, je dis, ok, j'y vais. Et le mec, je lui fais, je peux serrer la main? L'autre, il lui dit, vas-y, tu peux. Le mec, il était immense. Non. Il me serre la main, je lui fais, Okama, Okama. Il me brise la main. Parce que Okama, Okama, ça veut dire PD, PD. Tu m'avais dit ça. Et je t'ai regardé de loin, j'ai fait, oh le bâtard. Ah, toi, t'es un enfant. Ah ouais. On rigolait bien. Un bon fils de pute. Non, mais on rigolait bien. Ouais. Quoi. Ouais. Et tu rigoles toujours autant comme ça? Non. Ah bon? Non, ça a changé. Oh, ça me fait de la peine. Bah, parce que en Japon, j'ai vécu pareil. Ouais. La fois que j'étais au Japon. T'as boxé il y a pas très longtemps là-bas? Ouais, pour la fédération Breaking Down. C'est des rondes d'une minute. Et t'as fait quoi? J'ai pas su. J'ai combattu contre un Coréen. Qui a pris un nom. Droit de main gauche, sang partout. Et t'as pas mis un pied? Oui, j'ai mis un middle kick. Un middle kick! Ouais.
Je me rappelle dans la rue au Japon, à chaque fois on s'appelait Aikik, stop Midok, stop. Ah, c'était génial, moi ça m'a. Mais est-ce que les gens ne peuvent pas? Ouais. Ils peuvent pas, tu sais, je pense qu'il faut le vivre. Ouais, faut le vivre, exact. Après, ces gens, il y aura. Tu te rappelles où tu m'emmenais? Tu m'emmenais dans les tout petits endroits des street food à manger du riz avec du chou, mais fallait. Toi, tu connaissais, hein. On allait là, dans les toutes. Ah, Temamashi à Osaka en dessous, là. Je te dis, viens, on va manger là. Ah bon? C'était trop bon. Ça coûtait rien en plus. C'était charmé. Et après, quand on revenait en France, t'as très bien, on avait cette déprime. Déprimé. Un jour, t'as boxé au mois de juillet et t'as boxé au mois de septembre. Ouais. On a fait juillet-septembre, j'étais tellement content, mais c'était loin. Oh, les voyages. Ouais. 14h, frère. Ouais, je suis c'est 14h. Mais non, t'es avec la Jal. Ouais, c'est bon, Jal. Ouais. Ou Anna, tu te rappelles? Anna, ouais. C'était génial. Il est passé le TV, tu te rappelles? Ouais, qu'est-ce qu'on rigole. Qu'est-ce qu'on rigole. Ouais, avec Pascal, on rigolait. Le seul mec au monde qui fait des interviews et qui parle pas. Il parlait bien. La première fois que tu t'es marié? Ouais. Tu t'es marié? Ouais, trois fois avec la même personne. Trois fois? Ouais. Arrête, c'est qui? Melissa, je crois que tu allais me dire ouais, ma mère. Tu l'as vu? Melissa, ben oui, la poise. Celle que je suis électrisée. Ah, tu t'es marié trois fois? Ouais. Mais pourquoi trois fois? Parce que Las Vegas. Ah oui, ça c'est mytho, Las Vegas. Ouais, comme ça. Après, on a fait le mariage donc dans ma commune où j'habite. T'habites où? J'habite où? À côté des Trottins. Ouais, toujours, mais toujours là-bas, ouais. Et après, on s'est marié donc à l'église, à Valbrion, là où elle habite. Au Canada? Au Canada, au Québec. Ah, tu kiffes là-bas? Ah, j'adore. Ouais, c'est génial. Je suis en train de dire, ils sont gentils. Tu pourrais y habiter? À l'année? Non, peut-être. Japon, tu pourrais habiter? Non plus. Ah ouais? Non. Tokyo, non? Non, moi, là, ce que je vais faire bientôt, c'est je vais bouger. Avoir le camp de base au Havre. Ouais. C'est chez toi, là-bas, ouais. Là-bas, ou autre, ou en Espagne, quelque chose. En Europe, tu vois. Et puis, peut-être bouger, c'est vrai qu'on ne soit pas resté amis, parce qu'avec Message, je pense que je serais resté un peu au Québec. J'adore toute la Gaspésie, tout ça. La première fois que tu as été dans un endroit, tu t'es dit, je me sens chez moi. La première fois. Tu sais, tu as des endroits comme ça. Bonjour. Ah, il est parti. Non, États-Unis. États-Unis. Ah ouais, toi, tu aimes bien les États-Unis, les States. New York? New York, ouais, j'adore. Ah, j'adore aussi. J'adore m'asseoir et puis regarder les gens passer. Ah ouais, j'adore New York. Ouais, c'est une super ville. Pour un café, ils sont gentils de ouf. Hein. Ouais, Brooklyn, j'aime beaucoup. Ah, t'aimes bien Brooklyn, toi? Tout ce qui est Williamsburg, Bridge. Ah, tu connais Williamsburg? Ouais. Avec le pont? Ouais, avec le pont. Tu vas manger des trucs cachés et tout ça, là? Ah, bah, je vois tous les. Ah, j'adore là-bas. Qu'est-ce que c'est bon. C'est super. T'as vu des sandwichs de ouf? T'as vu? Ah, t'aimes bien là-bas? J'aime bien la partie, donc la partie un peu bobo, tu vois. Et la partie feu, avec tous les trucs, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien. Ah, j'aime ça. Tu pourrais habiter là-bas? Ah, ouais. Ah, dans avec les orthodoxes, non. C'est marrant ça. Ouais. La première fois que t'as pleuré pour une femme, c'est beau ça, hein? Oh, j'étais jeune, j'avais 16 ans. Je m'appelle. C'était la sœur d'un. Non, parce que j'étais trop jeune. Ouais. J'étais trop jeune. Et t'as pleuré pourquoi? Parce que on s'est embrassé, puis qu'après, voulait pas. Elle voulait plus continuer? Non, voilà, parce qu'en plus, son frère, c'était un copain, ou je sais pas, il était pleuré. Et t'as pleuré. Et je partais, je me rappelle, je partais au Mont-Saint-Michel avec mes parents. Viens, mets la tête là. Ouais. Non, je sais, ça fait de la peine, je sais. Ouais. C'est rien, mon petit Jérôme. Non, mais dis histoire d'amour, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Ah, mais toi, t'es fleur bleue de ouf, depuis toujours, T'es très, très lover. Ouais. Et t'as un côté comme ça Je pense que t'as. Bon, après, il y a des quotas, tu vois. Bien sûr. Non, mais ça, ouais, non, j'étais hyper amoureux d'elle. Mais tu vois, on peut être amoureux puis faire des conneries. Bah, bien sûr. La première fois que t'as eu un chien, je sais que t'adores les chiens. La première fois que j'ai eu un chien, parce que avec mon propre chien, j'avais. Petit, non? Ouais, bah, c'est avec Lydia quand on a eu les huskies. Ah oui, les huskies, je me rappelle, Oh là là, il a été. Les skis Canada, tu vois, il était beau, le chien, qu'est-ce qu'il était beau. C'est donc t'avais 19 ans quoi. C'est ça. T'aimes toujours autant les chiens. J'ai 6 chiens chez moi, j'ai des filles d'Abrasilero. T'as toujours un chien qui s'appelle Tyson ou pas? Non, elle est morte. Elle est morte, le beau. Elle ira plus. Hein. Ouais, c'était un des premiers. Oui. J'ai vu avec Joe Star. Ouais. Mais lui, il faisait peur un peu. Ouais, ouais. Le chien ou le. Non, le. Voilà quoi! On avait les mêmes chiens. Ouais. Lui, il avait Naughty et moi j'avais des Sorel. Ouais. Des chiens de la marque, de la race Sorel. Ah, il était balèze. Ouais. La première fois
que t'as eu ta maison à toi. Pas ton appart, ta maison. Ah. Mmh. 25 ans. Où? Toujours au Havre. Ouais. C'est chez toi là-bas. Hein. Ouais, ouais, c'est vraiment un baraque. T'aimes bien toujours le Havre? Il a fait du bien là-bas, le maire. Hein. Oui, ah ouais, ouais, grave. Hein. Fait le premier, ouais. T'as vu les docks, comment ils sont aujourd'hui? On a connu les docks, ouais, c'était flingué. Ouais. Hein. Non, il a fait beaucoup de bien, ouais. Ouais. Donc chez toi, c'est. Si j'ai mon pote, et j'ai mon pote Alain Pernel, qui vient de battre le matin à la maison, qui s'entraîne. J'ai un peu de Thierry aussi. Ta maison à toi là-bas. Ouais, ils viennent s'entraîner. Ça fait. Bon, moi, je suis un petit peu coupé du monde. Hein. Oui, pourquoi t'as fait ça? Bon. Ouais. La première fois que tu t'es coupé du monde. Donc alors, là, je vais inverser un peu les questions. Les questions. La première fois que tu m'as rencontré, ça t'a fait quoi? La première fois que je t'ai rencontré, je me suis dit, ça va être mon pote. Ça va être mon grand pote. C'est marrant, il n'y avait pas ce côté genre boxe. Pourtant, on s'est rencontré dans un gala. Hein. Pote. Et là, tu vois, on s'est rencontré en 95 et on est en 2024. Et je te kiffe toujours autant. Et comment je t'appelais? Mon Réjoum. Mon Réjoum. La croix ou la bannière? La croix ou le bannière. Voilà. La croix ou la bannière. Là. On a eu Jérôme Le Banner, vraiment c'est une légende des box pieds points. Non mais je sais qu'il n'aime pas qu'on dise ça, mais moi je le dis parce que j'ai le droit, ouais. En même temps oui, dans ma salle. Ouais, tu veux ce que tu veux. Une légende du kickboxing, du full contact. On va appeler ça une légende des rings parce qu'il a fait kick, full, thai, K1, hein. MMA, boxe anglaise. Boxe anglaise, t'as même fait de la boxe anglaise. Ouais. Et là il a 51 ans, regardez. Jérôme Le Banner, merci beaucoup Jérôme, ouais. Merci. Ouais. Merci d'être venu. Ouais. Merci, okay. Vraiment c'était un plaisir. Merci beaucoup. Moi aussi pour moi. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de vous abonner. Vous avez vu, on reçoit que du lourd, que des belles personnes. C'est pas parce qu'ils sont champions, hein. Ce sont des belles personnes avec une belle âme. Et en plus, vous avez vu, je vous ai pas menti, hein, Jérôme Le Banner, il est drôle, vraiment. Moi, il me fait tout le temps rire. Quand on se voit, on rigole tout le temps. Merci, merci de nous suivre tous les dimanches. Merci pour vos beaux messages. Jérôme, tu veux dire un petit truc ou pas? Longue vie à André Zedoun, hein, ta chaîne. Merci beaucoup, Jérôme. Okay, bon, donc il y a beaucoup de gens qui te suivent, écoutez, c'est super. Mais moi, je sais pas, écoutez, t'es un bout d'entrain, toi. Ouais. T'es un bout d'entrain, mais tu dis que je suis mais c'est toi, non, non, c'est toi qui as pris la relève. Voilà, bonne journée à tous, bonne semaine. Jérôme, oui. Merci beaucoup. Yeah, what? Moi, t'aimes en vôtre.